Salut tout le monde. Alors, ça fait 2 mois que je vous ai pas montré les livres que j'ai achetés. Donc, du coup, j'ai quelques livres à vous montrer. Donc, on va commencer tout de suite, hein, pour pas que ça traîne non plus. Trois plombes. Alors, tout d'abord, j'ai acheté donc, au début du mois de mars. Non. Au début du mois aussi de mars, les trois premiers tomes d'Outlander, voilà, de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Donc j'ai lu le premier tome et j'en suis au milieu du deuxième. Voilà, alors je les ai lus d'affilée. Alors je ne me suis pas arrêtée parce que ça ne me plaisait plus, mais parce que bon, ça fait déjà 1500 pages et que j'avais envie de changer un peu d'univers. Mais sinon, bonne série, je continuerai. J'ai regardé la série télévisée, la première saison, que j'ai finie, que j'ai bien aimée. Et voilà, j'attends que la deuxième saison qui est en cours soit finie. Comme ça, je regarderai tous les épisodes d'un coup à la fin. Ensuite, il y a eu un petit passage malencontreux à la FNAC. Malencontreux parce que je ne voulais pas du tout acheter de livres et je savais bien que si je rentrais dans la FNAC, j'allais acheter des livres. Manque de peau, je suis passée devant, je suis rentrée dedans et j'ai acheté des livres. Donc j'ai acheté Les cœurs brisés d'Amelia Kahane. Donc c'est dans la collection R de Robert Laffont. C'était la sortie, c'était le mois d'avant, enfin il y a quelques mois de Robert Laffont. La collection R, je l'avais vue, j'avais bien aimé la couverture, bien aimé le pitch derrière. Donc c'est une, bon, on n'est pas grand chose, voilà, en gros c'est une jeune fille en thème, qui a un prénom débile, mais tant pis. Il lui arrive un accident, elle va être dotée d'un cœur pas tout à fait normal. Et voilà, c'est une histoire de vengeance, d'après ce qu'on dit le pitch. Voilà. Je l'ai lu, je vous en parlerai, je ferai une chronique. C'était bien. Par contre, apparemment, c'est encore un premier tome, donc la suite n'est pas sortie, il va falloir attendre la suite, et etc. etc. Voilà, c'était bien, mais sans être plus que ça. Une lecture sympa. J'ai aussi acheté donc, le dernier Stephen King, Dr. Sleep, aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça, c'est la suite de Shining, qui est un livre qui est paru il y a, je sais pas, 10 ans, 15 ans, de Stephen King, que j'avais lu. Ça fait quelques années que j'achète plus les Stephen King, à part Dome, que j'avais acheté, parce que je trouvais que les derniers étaient moins bons que les premiers que j'avais lus. J'en ai lu beaucoup étant ado, donc ceux des débuts de Stephen King, enfin tous les classiques de Stephen King. Voilà, celui-là, comme c'est la suite d'un livre que j'avais lu, qui était Shining, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ce n'était pas le Stephen King que j'avais préféré, mais pourquoi pas. Et voilà, il était sorti en livre de poche, donc un petit achat sympathique. Ensuite, il y a eu Michel Laffont qui a fait une vente privée, sur le site vente privée, donc qui vendait plein de livres entre 2 € et 3,50 €, entre 2,50 € et 3,50 €. Donc forcément vous imaginez que des grands formats à 2,50 €, j'ai pas pu résister. Donc, alors je vous les ai déjà montrés parce qu'entre temps je les ai fait dédicacer. J'ai pris la trilogie L'héritage des Darceurs de Marie Caillé. Donc le premier, le deuxième et le troisième, me semble-t-il. Voilà. J'en avais entendu parler, plutôt en bien. Des couvertures, je trouve que les couvertures sont superbes. Voilà. Et voilà, c'est vrai dans les livres qu'ils proposaient, parce qu'ils ne proposaient bien sûr pas tous leurs livres, c'est une trilogie que je trouvais sympa. J'avais aussi pris donc deux livres, suite l'un de l'autre, donc de Fabrice Colline, 49 jours, et Seconde vie. Voilà. Donc, il me semble qu'il n'y en a que deux, enfin, il me semble pas qu'il y ait le troisième tome. Alors dites-moi si vous savez qu'il y en a un troisième. D'après ce que j'en sais, un,
un jeune homme donc, qui meurt, qui se retrouve dans une sorte d'au-delà où il va devoir faire un choix entre deux mondes différents dont il ne connaît pas grand-chose. Voilà, donc c'est un peu. Et il a 49 jours pour faire son choix, bien sûr, le titre qui est écrit là. Voilà, donc bah écoutez, là j'en avais jamais entendu parler avant de le voir sur le site donc, de vente privée. Le pitch m'intéressait bien, je suis allée voir un ou deux avis sur les vrais adultes qui étaient plutôt sympas. Donc voilà, je me suis dit, ça me fait, voilà. Encore une fois, c'était pas très cher, donc je me suis lancée. Et j'ai aussi acheté donc, le tome 2 et 3 d'Intuition de Rachel Ward. Alors là, c'est effectivement une trilogie dont j'avais déjà entendu parler, que je voulais acheter depuis un moment. Alors j'ai un peu hésité parce qu'en fait, il n'y avait pas le tome 1 dans ces ventes privées, il n'y avait que le 2 et le 3, j'ai pas le 1. Donc, alors, il va forcément falloir que j'achète le 1 à un moment donné. D'un autre côté, voilà, je me suis dit au moins j'aurai ces deux-là. Je vais essayer de trouver le 1 d'occasion ou quelque chose comme ça. Faut pas non plus mettre 20€ dans le 1. Mais voilà. Donc, c'est une jeune fille, me semble-t-il. Enfin, le 1 toujours, parce que du coup, j'ai pas lu les résumés des tomes 2 et 3 parce que j'avais peur que les résumés me spoilent le tome 1. Mais le tome 1, voilà, c'est une jeune fille apparemment qui voit des chiffres au-dessus des gens. Et le chiffre qui indique combien de jours il leur reste à vivre, ou la date de leur mort, ou enfin quelque chose dans ce goût-là. Et voilà, elle va essayer de comprendre d'où lui vient ce pouvoir, pourquoi elle l'a, qu'est-ce qu'elle doit en faire. Tout ça, tout ça. Donc voilà, c'était aussi une série qui m'avait l'air plutôt sympathique. Et alors pour finir, donc je vous ferai un article particulier dessus. J'ai participé à un swap Happy Birthday sur Livre Addict. Donc mon colis a mis un peu de temps, il y a eu des... Donc du coup j'ai eu le colis que il y a quelques mois, il y a un mois. Donc dans le colis il y avait deux livres. Donc il y avait le premier tome des trois Amazones, le cycle de Trillium, hein, donc de Marion Zimmer Bradley, Julianne Marie et André Norton. Alors pourquoi ce livre? Certainement surtout parce que c'était Marion Zimmer Bradley l'auteur, un des auteurs. De cet auteur, j'ai lu ce qu'elle a écrit sur le cycle d'Avalon. Et j'ai lu aussi, dont je vous parlerai sûrement dans une vidéo à part, La romance de Ténébreuse, qui est une série d'une vingtaine de livres sur une même planète. C'est cool, sur plusieurs siècles, sur une même planète, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, Marion Zimmer Bradley, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui met souvent les femmes en avant. Dans ses romans, surtout ses romans de fantasy, ce qui reste rare pour des romans de fantasy, même si ça se fait de plus en plus. Voilà, donc ça c'était une des trilogies, me semble-t-il, qu'elle a écrit, qu'elle a co-écrit, que je ne sais pas du tout, donc voilà, ça pouvait être sympa de se lancer. Et alors, bon, malheureusement, ça a été un achat croisé, j'ai reçu le premier tome de L'héritage des Darceurs de Marie Taillé, donc en poche celui-ci. Voilà, vous savez qu'il était dans ma palle, moi je l'ai acheté au bout d'un moment parce que voilà, comme j'avais vu. Donc voilà, c'était manque de peau. Du coup, je pense que je revendrai sûrement un des deux. Mais voilà, c'est vrai que le livre, il est aux éditions... Bref, je trouve plus la maison d'édition qui édite ces genres de livres de poche. À Barcelone, mais on s'en fiche, c'était pas la question. Et bref, c'est vrai que j'aime beaucoup ces livres parce que du coup, c'est Michel Lafon, donc poche. Parce que la couverture, c'est une couverture souple avec des rabats. Couverture un peu plastifiée. Un livre très souple et du coup, je trouve que bah, déjà, ils sont sympas à lire. Et en plus, ils se gardent très bien. Ils ne s'abîment pas du tout. Contrairement, vous voyez, à d'autres livres de poche de ce style-là, qui eux, effectivement, les couvertures se plient ou les angles des couvertures s'abîment assez facilement. Voilà, ces livres-là, je trouve qu'ils sont très, très sympas à lire et qui ne s'abîment pas du tout. Donc voilà pour mes derniers achats, surtout au mois de mars. Au mois d'avril, j'ai essayé de ne pas acheter de livres parce que, enfin, surtout fin avril, début mai, j'ai essayé de ne pas acheter de livres parce que, eh ben, dans 10 jours, ce sont les Imaginales. Je pense que je vais acheter quelques livres aux Imaginales. On va voir beaucoup de livres aux Imaginales. Donc voilà ma dernière sélection.